deux débats qui sont revenus au premier plan cette semaine, mariage homo et euthanasie. La France a-t-elle changé à ce point pour que justement on puisse parler et mettre ces débats sur la table aujourd'hui ? Non, mais d'abord, moi j'ai juste préféré, comme dirait l'autre, qu'on commence à mettre des vrais débats sociaux sur la table plutôt que sociétaux. C'est toujours un échappatoire. Là, on est d'accord. Alors ça, on est d'accord, je crois, sur ce point-là. Oui, là, parce vraiment. Que ça, c'est les vrais débats. Maintenant, qu'il y ait aussi des vraies questions sur l'euthanasie, qu'il y ait des vraies questions sur le mariage gay et donc sur l'adoption, parce que c'est ça, moi je les vis comme telles aussi et je veux bien les affronter, les confronter, sachant que pour l'euthanasie d'ailleurs, il y a une loi qui existe pour de l'accompagnement qui prévoit des avancées considérables et qui n'est pas appliquée. Je veux dire, commençons déjà par appliquer cette loi, mais c'est une question qui me bouleverse personnellement parce qu'on y est confronté tous peu ou prou et qu'on n'y répond pas facilement. Je dirais qu'il faut faire très très gaffe. Mais c'est vrai que les esprits bougent là-dessus. Ça va être un thème de campagne pour 2012 ? Je ne sais pas. Je pense comme Nicolas pour sociétal et social. Et j'irai plus loin. Je pense qu'on nous bassine en permanence depuis des années en nous disant que la France est en retard et qu'on nous demande d'imiter les Espagnols, les je ne sais qui, etc. Je pense que la France n'est pas en retard. Je pense que la France est le dernier bastion de résistance de la civilisation. Je suis très sérieux. Non, parce qu'elle s'oppose au mariage gay et à l'adoption. Absolument. Non, là, Eric, on n'est pas sérieux, là. Mais vraiment. Je suis très sérieux. On est dans le summum de l'hypocrisie. Mais pas du tout. La civilisation. Mais pas du tout. Je suis pour une certaine dose d'hypocrisie. Mais pas du tout. Mais que l'hypocrisie soit le modèle de la civilisation, si, c'est pas la même chose. Mais si, absolument.